Et boum, les petits amis, nous voilà revenus sur Half-Life 2, épisode 1, épisode 3. En compagnie de notre charmante Alix, je suis Gordon Freeman. Et oui, c'était moi, depuis le début, sous le masque du Devil. Alors, je crois me souvenir qu'il était quand même assez court. À mon avis... Tu as toujours ton truc noir? Oui, j'ai toujours mon truc noir par terre. Voilà, lui il est mort, c'est confirmé. Oh, il y a du stuff là. On vient d'enfreindre au moins 50 règles du cartel. Qu'est-ce que c'est que ce bip? Éloignez-vous des portes! Je me suis éloigné des portes! Non! Je me ferme la porte sur la gueule! T'as vu, Alix, je suis trop badass. Ok, alors maintenant j'ai ça. Il a quand même réussi à me mettre un coup. Hein. Ah mec, c'est pas le moment de me flasher la gueule. Attaque. Alix? Oh, j'ai oublié ça. Bagnole. Hop là. Esquive. Ok, pas esquive. Oh putain, mais ils me foutent ces mines! C'est bon. Merci Alix de m'avoir aidé. C'était trop bien. Attends, il y a un autre puits de fourmilion là. Oui, il est là. Voilà. Ah mais elle a pris la toile. Putain, mais elle est tellement intelligente. Et qui me tire dessus là? Putain, ils sont sur les toits. Thank you.
Ok, là, il y a un passage. Ah non, un autre logo électrique. Vous êtes beaucoup sollicité pour ramper dans les conduites aujourd'hui, Gordon. Eh ouais, Alex. Ah merde. Ah, excuse-moi, je me suis trompé de conduit. Salut, une incapable. Salut, ma poule. Ah, ça faisait un petit moment. Bien ou bien? Corona bien ou bien? Ah. Ok, là, c'est le fil mode voltige. Eh bien, fin du film. Tranquille, pépouze. Alors, du coup, faut que j'utilise les grenades, peut-être. Ah, attends. Ah oui, non. Les grenades, c'est pas une bonne idée. Ah ! Je me noie ! Ah ! Oh mec. Ok. Il faut que j'aille sur l'échelle en face là. Ok. Putain, c'est piège de cristal. Ok. On remet le courant. On a mis des mines partout pour Alix. Ok, on avance. Évidemment, je me suis tout... Évidemment. Heureusement, il y a de la vie.
Il croyait qu'il était caché. Oh, j'ai récupéré l'arbalète. Évidemment. Ah putain, mais je suis une merde. Ah, attends, ce coup-ci, je vais pas me faire avoir. J'ai failli me faire avoir. Désolé, Alix. Munitions, munitions. Petite sauvegarde. Ah merde, c'est un pote. Moi je tire dessus. Attendez-moi. Je doute que cette guerre finisse un jour. Oh, on a les escouades. Oh putain, puis lance-roquette en plus. Munitions, munitions. Attaque, attaque, attaque. Plus personne. Ok. Ok, pousse-toi. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Tout le monde doit quitter la ville. Le cartel ne facilite pas les choses. On essaie de rassembler assez de monde pour forcer le passage jusqu'à la gare. Les gens se regroupent dans un abri tout près. Vous pouvez nous emmener? Tu parles, on y va. Par ici.
Ok, tu nous suis ou bien? Ou c'est nous qui te suivons? C'est toi le chef d'escouade maintenant? Hey, c'est moi! Ouvrez cette porte! C'est quoi le mot de passe? Gordon Freeman. J'ai plus de vous dire de la fermer. Entrez! Auparavant, la formation de certaines chaînes de protéines nécessaires au développement embryonnaire... Arrêtez d'écouter ces conneries! Effectivement, pas le temps de regarder la télé. Oh putain, le texte, elle réagit en fonction de mes actions! Le Kung Fu Wushu. Ah putain. Et il m'envoie des lits dans la gueule. Pas sommeil. C'est à cause d'Odessa Cabbage. J'ai rencontré Odessa Cabbage un jour. Vous prenez l'air touristique? Tout ça pour que la science progresse. Kleiner dit qu'on peut copuler maintenant, comme si j'avais besoin de sa permission. Est-ce que je peux leur balancer une grenade là dans les fesses? J'ai l'impression que tout le monde est docteur sauf moi. Il y a un serpent. Putain, on est revenu là. En tout cas, c'est pas bon. Ah oui, d'accord, ok. Évidemment, je suis un gros débile. Alix, tu vois pas que je suis en train de bosser? C'est important ce que je suis en train de faire. Non! Pousse-toi, Alix. Tu vois pas que je suis en train de bosser? C'est important ce que je suis en train de faire. Gordon? Alex? C'est incroyable! Quel mot de passe barné! Mais comment êtes-vous sorti de la citadelle? On n'est pas tout à fait sûr. Mais les Vorts y sont pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du feu en dessous là. Mais. Et vous, Bernet? Je vais bien, je deviens juste fou à force de. Ils nous ont trouvés! Bon sang, Gordon! On vous a encore suivi? On a volé des. Oui, c'est parce que je suis un petit peu une merde. Important pour qui nous pourchasse jusqu'ici. Eh bien, ça met la pression. Il faut avancer maintenant. Vous connaissez les trains d'évacuation, pas vrai? Ouais. Eh bien, on avait prévu de faire une. Ah voilà. Donc ça, c'est la mission principale. J'ai la nette impression qu'on va devoir se tailler un passage au milieu de tous ces abrutis de métro flics qui tiennent absolument à défendre Cité 17. Gordon et moi pouvons prendre deux routes différentes pour détourner l'attention du cartel. Ça vous laisse le temps de remplir les trains avant qu'on arrive. Vraiment? À mon avis, on peut finir. Regardez là-bas. Peut-être pas aujourd'hui, mais à mon avis, l'histoire se finit en vraiment 4-5 heures, je dirais. Par ce pont, puis par les toits. Et je crois que le 2, c'était peut-être un poil plus. Voir si quelqu'un nous attend. On vous retrouve là-bas.
6-7 heures. Peut-être pas, peut-être moins. Avant de partir, j'en avais marre de traîner ça partout. Oui, la barre à mine, voilà, parce que j'ai une barre. Et tu fais une drôle de mine. Merci, Gordon. Elle vous attend. Quel vénard, hein ? Ça me nique mon inventaire, ta putain de barre à mine. Et voilà, je suis bloqué. Chaud ? Roquette. Ouais, je l'ai pas touché. Zut, c'est coincé. Si seulement j'avais une sorte de fusil à pompe. Moi aussi je suis con. Oh qu'est-ce que je suis con. Hey, un hôpital. Cherchons du matériel médical. Attends, il y avait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait là? Mais c'est des water. Et d'où il me voit? Avec absolument rien dedans. Oh oui.
Vite, lance-roquette, lance-roquette. Avec ça, je me souviens. Et Alix qui fout que dalle, comme d'habitude. Normalement, il peut contrer mes tirs. Ah putain, je suis bloqué. T'es où ? C'est gagné ! Wow, Gordon, vous êtes une vraie terreur ! Oh qu'il est moche ! Oh qu'il est moche ! Vous croyez qu'il est mort ? Vous devriez lui donner un coup de pied de biche. Il est décédé. Tu peux aller prendre son pouce si tu veux. Ah non, pas encore. Mais non, c'est Barney, il veut nous faire les bisous. Évidemment. Matériel médical. J'ai trouvé un fusil. Ouvre la porte. Ah, évidemment. Ah, ça m'a pas touché. Ok, que dalle, laissons-le décuver. Je tirerai dans le pied. Ok, très bien. Zone nettoyée. Quoi ? Il y a plein de trucs là.
Magnifique. Putain, Cassos! Putain de crowbar, hein. Nick, chaque fois. Bon là je tire sur les... Normalement je suis pas censé tirer sur les casques mais c'est pas grave. Voilà, zone nettoyée. Oh putain, y'a un gros. Il est bon lui. Après vous. Qu'est-ce qu'il foutait dans les chiottes? Aïe. Bah oui, et toi? Fermé. Ils ont fermé la clé. Oula, c'est con de gaspiller ça là-dessus. Ah, ok, putain. Ok. Ok. Ok, au final le baril ne servait à rien. Si en fait je pense qu'il sert. Hein. Ok. Ok, mais il n'y a que là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On part là-bas ? Non, ici il n'y a que dalle. Bon, attends.
caisse. Non mais ça va être par là, faut sauter, sauter. Et là il y a que dalle. Là je l'ai vu. J'ai récupéré une clé ou quoi là? Si j'ai tout vu ou par en dessous à l'arrière. Il y a un autre chemin par en dessous. Il y a un petit chemin là. On peut y accéder. Où est-ce que c'est? Là, ici, il n'y a que dalle. En fait, il n'y a même pas besoin de sauter. C'est où? Il n'y a pas de map. Où est la smap? Non, mais comment j'ai débarqué ici, moi, du coup? Allez, par là. Non. Qui... Putain, du coup j'ai même plus... Ah si, j'arrive de là, ok. Ok, là ça passe, là ça passe. Là ça passe, là c'est dans le vert. Ça devrait marcher. Ou alors, il y a un interrupteur que j'ai pas activé. Quelque part. Et bon, là, je reviens. C'est par là. Là, il y a que dalle. Ah putain, il était là. Ok, petit sauvegarde. On les bute. Oh, salut à Maox. Salut ma poule. Alors, malheureusement, tu arrives pas loin de la fin. Où suis-je? Ah oui. Là, je passe par là. Là, je passe par là. Ok. Et là, il y a du jeu. Du jeu! Voilà la sortie. Désolée de vous avoir laissé seul ici, Gordon. J'ai été débordé. Vous vous en êtes bien sorti sans moi. Oui, bah, je m'en sors toujours bien sans toi, Alix. Oh
putain, gros bâtard. Putain, mais... Il me one shot. C'est pas la fin du jeu? Non, pas encore. Là, je suis sur Half-Life épisode 1. Assistance médicale requise. Munitions épuisées. Ok, des mines. Bon, elle peut faire le taf, elle. Il fait tout le monde. Ils arrivent. C'est une affirmation, j'ai joué à sortie à l'époque. Ah non, c'est pas encore la fin, là. Non, la fin, c'est quand je dois ramener... Wow. Quand je dois ramener des rebelles au train. Mais je me rapproche. Et moi, je n'y ai pas joué depuis 2011. Donc, ça me revient par bribes. Oh. Wow. Quoi, cet hôpital? Oh, des terminaux de Fallout. Ok, très bien. Évidemment. Eh, ils peuvent pas tomber. Je trouve qu'il a bien vieilli. Moi, je trouve qu'il fait toujours café. Hein. Moi, je trouve super agréable toujours. Hein. Je les ai niqués. Okay. Ok, nous progressons. Ok, et ok. Petite cigarette. Ouais, voilà la gare. Bref, tout d'abord, la situation est urgente. Si vous êtes toujours dans les limites de Cité 17, nous vous conseillons vivement de quitter la ville immédiatement par le moyen le plus rapide à votre disposition. Nous avons remis en service la plupart des systèmes de transport. Oh non, ils nous ont découvert. Retrouvons Barney et Filon. Niquer ça. Si on peut les niquer. Je suis full rocket. Ah, ça va être Strider peut-être là.
Vous voilà. Je me demandais si vous arriveriez à temps. Désolé de vous faire attendre. Ça nous poursuit. Qu'est-ce qu'on fait? J'envoie les gens par groupe. Comme je l'ai dit, si vous pouvez les... Donc là voilà, on sera... là c'est la dernière phase effectivement. On a peut-être une chance d'atteindre les trains d'évacuation. Ça a l'air bon. Envoyez le premier groupe. Mais du coup, je sais pas, est-ce que je peux le faire en 15 minutes? J'y crois pas hein. Ça veut dire que j'aurais fini le jeu en un live quoi. Pas des plus simples. Oui. Oui, parce qu'ils doivent survivre et tout, ouais. Que cette guerre finisse un jour. Quand je pense que je voulais bosser dans les assurances. Et suivez-moi. Ça va bien se passer. Vous allez tous survivre. Sauf toi. Ah mais je crois que le premier groupe c'est un peu finir in the nose hein, il me semble. Faut qu'on se fait pas attaquer. On se fait attaquer qu'à partir du deuxième, il me semble. C'est bien. Si c'était pas si dur, on aurait dû amener tout le monde. Allons chercher les autres groupes. Allez chercher un autre groupe. Je reste ici et je garde oui, la porte. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il est coincé dans la map. Emmenez-les jusqu'au train et protégez-les. Et avec deux. Go! C'était pas plus rapide que ça? C'était pas plus long que ça. Hé, hey, Freeman, allez donc aider les autres. Ok, ils sont arrivés. Ok, c'est good. Alors, normalement, il me reste un dernier groupe. Ils sont en sécurité, allez en chercher d'autres. Oui, sniper. On ne passera pas tant que ce soldat sera là. Oh. Regarde-moi ça comment je les braille. C'est du bon travail, Doc. Et ouais, mon gars. Voilà les lames. Qu'est-ce que c'est ? Aïe. Je me prends tout dans la gueule. Ah ! Hey, Freeman, allez donc aider les autres.
J'ai besoin de soins. Eh non. Mais... Oui, j'ai un peu trop bourré, là. Ils sont en sécurité, allez en chercher d'autres. Pourquoi tu cours sur les mines? Ah bah on m'a pas dit, voilà. Hop là, le slalom, aïe. Non, même pas, hop. C'est du bon travail, Doc. Et ouais, mon gars, petite sauvegarde. Ok, allons-y. Dans tout ça, tout ça. Attention aux mines. Go. Merde, c'est par là-bas. Poussez-vous, laissez passer le chef. C'est qui le patron Freeman? Là, on descend. Je crois que c'est tout, hein. Je crois qu'il faut juste aller récupérer Barney, il me semble. Allez chercher d'autres citoyens. Encore ? Oh putain, il me défonce. J'ai zéro au prochain coup. Ok, c'est pas censé me filer de l'armure, ça. Ah voilà. Ouais. Hey go mon Barney, tu es où? Il est où? Ah ok, il me suivait pas encore. Ça, c'est le Gordon Freeman que je connais. Ah non, encore des survivants. Mais ça n'en finit pas. Et il me semblait qu'on affrontait des Striders dans l'épisode 1. Bizarre. Oula. Je suis touché. Au secours. Dépêchez-vous.
Mais vous pouvez vous couvrir, il n'y a personne. Où sont tous les survivants? On peut ramener d'autres citoyens. Il y en a encore à aller chercher. Trop facile. Trop facile ce jeu. Vers les trains, citoyens. Nous allons assurer votre sécurité jusque là-bas. Ah ben voilà, là on a barné. Mais pousse-toi. Alors on n'a pas le temps. Allez, venez, on n'a pas le temps. Allez, venez. On vous couvre. J'ai bien cru qu'on s'en sortirait pas. Attends, mais je croyais que Barney nous avait suivis. Il est où Barney? Ah, il est là. Ferme la porte! Ah, mais attends, mais ça veut dire que c'est la fin là? On devrait les occuper pendant un moment. Attends, ça veut dire que j'ai fini le jeu en 4 heures? Même pas en 3 heures? Vous venez? Allez-y, Barney, c'est pas vous qui le cherche! On va détourner leur attention pendant que vous faites sortir les autres. On prendra un autre train quand vous serez partis. Ok, mais n'y passez pas trop de temps, hein. Allons, libérons le chemin. Hop là, tu me pousses. Ah oui, il reste encore cette séquence. Ah oui, là c'est vraiment la fin, là. Il reste 5 minutes, hein. Au revoir, Barney. Bonne chance. Allez, bon voyage. Il me semble que là, il y a des Striders. Là. Effectivement, c'est la dernière séquence. On va le finir, hein, tant qu'à faire. Nous sommes sur un ouïouïouï. Thank you.
Tatin. Les trucs là. Non, que là. Hello. Il a pas compris, il a rien compris. Aïe. Ah putain. Saloperie. Putain, et pendant que je joue, j'ai l'impression qu'il y a une araignée qui est en train de me faire de la toile sur la gueule, sur les épaules. Je pense qu'elle va réussir à me bouffer d'un bloc. Putain, il en reste un. Tiens, joue avec ça. Ah merde, je suis planté. Alors attention, ça va faire mal. Sauvegarde. Aïe. Ah putain de mine. Qui me tire dessus là? Ah. Je comprenais pas. Aïe, il est là. Oh bâtard. C'était pas là, hein. Je me demande si je peux le buter comme ça. Là. Putain, il est imbitable.
que dalle. On peut passer. Petite sauvegarde. J'ai tué le boss. Excellent boulot, Gordon. Et ouais, ma grande. Mon nouveau héros, c'est vous. J'y crois pas. On va quand même réussir. Vite, il faut faire partir le train. Eh oui, c'est la fin. Hein. Grimpez, Gordon, je vous suis. On a réussi, Gordon. On a réussi, ma grande. Ah putain, j'avais pas souvenir que l'épisode 1, il se finissait en 3 heures, quoi. Attends, je laisse une surprise. Hop là. Ça va péter. Nous quittons Cité 17. La transmission commence. Ah, le 1, ouais, il me semblait que je savais qu'il était court, mais là, il est clairement très court. Hein. Mais le 2, je crois qu'il fait au moins le double, quand même. Putain, il y a des vaisseaux. Alien qui fuit. Oh, les effets, c'est très joli. Gordon. Et nous y voilà, fin de Half-Life 2, épisode 1, donc en 3 heures. Sans se forcer. Alors après, j'étais en normal, hein, pour ma défense. Donc juste en difficile, tu bourres un peu plus, quoi. Parce que du coup, les ennemis sont un peu plus costauds, ils te font plus mal. Mais ça s'arrête là. C'est pour ça que là, du coup, je l'ai fait en normal, c'était pour éviter de trop galérer. L'intérêt, c'était plus de faire l'histoire, en fait. Et le 2 est très bien. Le 1 était pas mal. C'était un peu un trailer pour l'épisode 2. Quoi. Ils avaient quand même vendu ça, je sais plus combien, mais il me semble que c'était 20€, je crois, chaque épisode. C'était un peu une farce, du coup, d'avoir payé 20€. Ou peut-être j'ai de la merde, peut-être c'était 10€, je sais plus. Mais payer juste pour un truc 2-3 heures... Et salut Ibellat, coucou fait yesh, j'arrive quand t'as fini, tu recommences pour moi s'il te plaît. Ça y est ma poule. Désolé, c'est la fin du live, ça fait déjà 4 heures. Bon, il n'empêche, c'était très sympa. Bah, je ferai le 2 dimanche, du coup, sur la TV42. Voilà, en attendant Alix. Donc sur ce, les amis, c'est la fin de cette série sur l'épisode 1. Prochaine série sur l'épisode 2. Donc les bisous YouTube. Et on se dit à très vite. Pour Half-Life 2. Épisode 2. Bisous, bye bye. Et le générique a été très rapide. Hein, aussi. Ils ont plus le temps.